Hey, salut tout le monde, c'est Xuxu, on se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play sur Mega Man Battle Network 5 Team Protoman. La dernière fois, on s'était baladé dans la zone End 4, 3 et... Attendez, c'était 3 et 4, non. C'était... Non, la zone 3 et on devait aller dans la zone 4. Ok, ok, bon, il s'est passé une ou deux semaines entre deux semaines entre les deux vidéos. Donc bon, alors, du coup... Eh bien, au moment où on allait rentrer dans la salle 4, dans la zone N4 plutôt, eh bien, notre nouveau partenaire, Searchman, en tout cas son propriétaire, avait une mission. Du coup, eh ben, il nous a dit, ah ben, on verra ça une prochaine fois. Allez, ciao. Du coup, eh bien, on remet la mission à demain dans le jeu. Et du coup, bah, Lan s'est dit, bon, on va chercher des renseignements sur comment retrouver notre père qui, je le rappelle, a été kidnappé par Nebula au tout début du jeu. Sauf que, pour nous, joueurs, derrière cet écran, ça va être très très chiant cette phase, puisque c'est la phase où j'ai abandonné de jouer au jeu. Puisque bon, c'était chiant, parce que... comment dire? Parce que là, on va atterrir sur des énigmes. Donc, je sais pas si c'était moi qui étais con à l'époque ou si, finalement, c'est plus facile ou c'est vraiment difficile. Mais on verra bien. Mais sinon, j'ai la solution du jeu à côté si jamais j'ai des problèmes. Histoire qu'on ne passe pas 15 minutes de l'épisode à sur le même truc, à être bloqué. Donc, du coup, on va au labo de papa. Pourvu qu'on accède à l'ordi de papa. Bon, puisque tu as le badge de papa, ça ira. Hé, hey, Lan. Oui, quoi? C'est pas Raika, là-bas? Hein? Ouais, c'est Raika. Et alors? Qu'est-ce qu'il fait ici? La 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 la, je suis un russe! Yo 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 yo! Et il est parti! Bof, tant pis. Allez, on va au labo. Eh bien, allons au labo. Et du coup, c'est la partie énigme de cette de ce jeu va être longue, je pense. Je pense qu'elle va être longue, puisque de souvenir, elle est longue. Mais surtout, très compliquée. Donc, attendez, on va remettre bien le micro, puisque là, j'ai l'impression que le son est pas très fort. Attendez, je revérifie le son, puisque là, ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre. Microphone, niveau... Ben non, il est bien, bien comme d'habitude. Bon, c'est pas grave. Allez, on va parler un petit peu plus fort. Puisque j'ai l'impression que... Voilà. On s'en fout. Bon. Du coup, on va voir ça. Il est allumé et j'ai le badge de papa. Mais ça marche pas. Il doit y avoir un sacré système de sécurité. Je vais devoir le contourner pour accéder aux données. Mais quelles sont mes chances de réussite? Pourquoi ça a changé entre... Bon, bref. Que faire? Il me faut un expert en analyse de données. Mais qui? 1, 2, 3... Je sais! J'espère qu'il est toujours là. Bon bah, à mon avis, c'est Raika, hein, puisqu'on parlait de lui. Raika! Ya ya ya! J'ai de la vodka pour toi! Oh, il s'est barré, salopard. Et qui est très fort en analyse de données? Il est là! Comment? Searchman est très fort pour analyser les données. Bien sûr, Searchman peut toujours analyser absolument tout. C'est quoi ces conversations qui commencent, mais genre, pas bonjour? Bon, bref. Tu n'es pas un peu sur les nerfs? Non, pas vraiment. Je suis toujours comme ça, Charo. Tu m'étonnes. Ok. J'ai du travail pour Searchman et ses pouvoirs. Yada, yada, yada! D'accord, je vais t'aider. Va au labo de recherche, je t'y retrouve. J'ai une chose à faire d'abord. D'accord, je t'attends. Bon. Bah, on retourne au labo de recherche. Au labo de recherche de papa. Y'a pas de soucis, y'a pas de souce. Rentrons ici. Et voilà. Ah, regarde. Raika, viens ici. Yo yo yo, yo la yo la yo la. Raika, c'est à propos de cet ordi. Je veux d'abord vérifier un truc. Le labo de papa est un des endroits... Pourquoi lui dit ça? Et un des endroits les plus secrets d'Electopia. Difficile d'entrer pour un militaire étranger. Mais nous, on est coéquipiers. On veut la même chose. T'inquiète pas, tu peux éviter la sécurité? Coéquipier. Les dialogues sont bizarres. Hein. Ok, je désactive la sécurité.
Searchman, désactive la sécurité. Compris. Analyse des données. Analyse terminée. Piratage de la sécurité. Terminé. Il a réussi. Il ne reste qu'un item de données texte. Lis-le. À mon fils, Yuichiro. Occupe-toi bien de Go. Sa fourrure doit rester sèche. Mouillé, il devient retors. S'il pleut, ramène-le à l'intérieur. Oh ouais. Oh ouais. Oh ouais. C'est tout. Une lettre de grand-père à papa. Tu connais ce Go, Megaman ? Non. Première fois que j'entends ce nom-là. Mais cette lettre est bizarre. Oui, vraiment. Elle mérite d'être examinée. On s'est donné tout ce mal pour éviter la sécurité, mais rien ici ne peut intéresser les Bulas. Tant pis, c'était une expérience intéressante. J'ai fouillé l'ordinateur d'un grand chercheur. Désolé pour la perte de temps. Vous poursuivez ce naïvi de Nebula en ce moment, hein? Vous devriez y retourner, non? Ah oui! J'y vais tout de suite. À bientôt. Ça va, le mec... ouais. En fait, non, il voulait juste pas nous aider, hein. Il avait une meuf à pécho, c'est tout ce qu'il voulait faire, hein. Je vais copier la lettre dans mon PET au cas où. Voilà, c'est fait. Lan a récupéré lettre grand-père. Mais pour une lettre de grand-père, papa ne nous aurait pas tous fait venir. Je devrais étudier de près cette lettre. Je confirme. Bon, après, ce qui va être compliqué... Ce qui va être compliqué, alors... Bon, il y a un truc, on a remarqué... Je pense que c'est pas trop compliqué à comprendre. Je pense que c'est dans les emails. Je crois. Non, ami. Fusion KO important. Où est-ce qu'il l'a enregistré? Réseau, sous-puce, bibliothèque de données. Bibliothèque de données, sûrement. Non. Non. Ah, item clé. Peut-être, sûrement. Item spécial. Lettre grand-père, voilà. Occupe-toi bien de Go, sa fourrure, de ta Go. Sa fourrure doit rester sèche. Oui, de ta Go. Mouillé, il devient retors, s'il pleut, ramène-le à l'intérieur. Et là, tout ça, je crois que, justement, il faut marquer les lettres de... C'est tout ce qui est écrit. Bon, c'était un chien. Je vais chercher avec mes souvenirs dans ma tête de quand je faisais ça. Mais relisons la lettre de grand-père. On va trouver un truc. What happened, man? Bon, je sais. Normalement, de souvenirs, je sais où est-ce qu'il faut aller. Cette énigme, je ne crois pas l'avoir finie, hein. Mais en tout cas, j'en avais fait une grosse partie. Hop. Il faut aller là, faut regarder la niche. Cette niche, 1, 2, quelque chose est écrit. Go est, nettoie l'air de la mine de charbon de l'île, quelque chose par terre, coin. On a écrit ça il y a longtemps, c'est dur à lire. Encore Go. Quel peut être le sens de tout ça? Donc du coup, il va falloir aller à la mine, le truc d'air, je pense voir où c'est, et il faut aller au coin. Quelque chose par terre, coin. Bon. Il Oran. Donc de souvenir, est-ce qu'il faut passer par là? Je sais plus. Je crois qu'il faut passer par là. Je sais plus. Tac. Bon, il y a encore l'autre qui... Non, je crois pas. Bon, le système d'aération, je vois où il est. Vous inquiétez pas, ça, pour ça, c'est... On n'est pas trop mal. Après, où est-ce qu'était ce truc? Mais c'est surtout l'énigme avec le chien que je ne comprenais pas au début. Quand j'étais plus jeune. J'étais bloqué longtemps à ça. Après, j'ai découvert Internet. Ça a changé ma vie. J'ai pu trouver... Une partie de la solution. Et je sais pas, je devais être con, mais j'ai pas réussi à terminer. Même avec la solution. Donc oui.
Oh, après, aujourd'hui, je suis toujours aussi con. Hein. Bon, ça. Mais bon, ça doit être génétique. Ça doit être dans ma tête, ça. Ça doit être irrémédiable. Hein. Bon, essaye ici. Système d'aération. Un système de filtrage d'air pour la mine. Il y a un port de collection. Donc, je crois que ça va être dans. Il n'y a rien par terre. Hein. On est d'accord. Coin. Ok, bon. Connexion. Jack et Mega Man. Execute. Voilà. Alors, il n'y a pas un Navy. Bon, il faut que j'aille dans les coins. Rien ici. Bon, bien sûr, on va avoir des combats à faire. Un roll. Non, on n'a pas le man. Let's go. Oh! Bref. Voilà. Rect. S. Oh, tout ça pour ça. Ouais, je me rappelle de ce qu'il dit normalement quand. Voilà. Le coin. Là, ce panel a l'air différent. Il a été déplacé. C'est ça, Megaman. Regarde de près. Compris. Ah, ça clignote. On dirait des données mémo. Je vais les analyser. Voyons. Go aime le poisson, il ne peut perdre de vue le gros poisson. Rien d'autre. Gros poisson, c'est une allusion à quelque chose. Gros poisson. Mon gros poisson. Peut-être la gargouille. Mais oui, le gros poisson, c'est la gargouille. Et ça signifie Château Gargou à Enville. Exactement. Prenons les données et des collections. Il faut aller à Enville. Oui. Megaman a récupéré données mémo. Ok, des collections. Ça me demande pas mon avis. Ah, nice! Là, allons à Enville. Oh putain. Merci. Ça, c'est bien. Ils m'ont fait réapparaître, mais de l'autre bout. Donc là, on va pouvoir prendre le bateau et aller à Enville. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres endroits où on peut aller. Hein. C'est le dernier endroit. Bon, il n'y en a que 4. Oh, et du coup. Ouah, il y a tout Electopia dans ce magasin. J'adore le Mont Bélène, le Shogun, la gastronomie d'Electopia. J'aime tout. Ok. Bon, salut les potes. Oh, c'est quoi ça? La statue d'un général d'il y a longtemps. Il a un air très vaillant. Il a installé une caméra de surveillance. Je peux me collecter. Tiens, on va aller dessus. J'ai envie d'aller dessus pour voir s'il n'y a pas des petites puces ou des trucs comme ça. Enfin, des puces, des données. Un PA mémo, je sais pas. Ah non, c'est la zone N22! Oh, nice! Ça, c'est bien, ça. Petit raccourci, du coup. Nice. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, Raika, on se voit souvent aujourd'hui. Je travaille. Pas le temps de discuter avec toi. On a bien discuté tout à l'heure. Je ne comprends pas. Ne me dérange pas. Ya 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 ya! Bon, par contre, le russe, là, tu vas te calmer tout de suite. Hein. Quel râleur! Je n'aurais jamais rien dû dire. Allez, allons, Megaman, blablabla. Mais c'était un peu bizarre. Comme ma façon de parler. Mais bon. Alors, yo! Désolé, tu ne peux pas entrer! Pourquoi? Quelqu'un a eu accès au système de contrôle du château, sans autorisation. Un accès illicite. Quelqu'un a piraté le système de la communication en zone N23. Il y a une très bonne sécurité, ça doit être Nebula. Nebula? Je vais voir, monsieur. Toi? Tu me laisseras entrer quand tout sera en ordre. Ça va pouvoir se faire. Collecte-toi à cette statue en bronze dans la pente. Tu arriveras en zone N22. Tu es sûr que ça ira? Je m'en occupe. Ça ne se voit pas, mais je suis un pro du combat réseau. Ok, mais ne fais rien d'imprudent. Ne t'en fais pas. Ok, très bien. Bon, du coup, j'ai pas trop le choix. Hein. On va aller en zone end 2. Toi, tu fais quoi? Lui, il doit vendre des trucs. Tu veux mes sous-puces? Eh, tu veux mes sous-puces? Ah, débloque, énergie max, recharge ennemi. Énergie max, on va en prendre. On va en prendre quelques-unes. 5, voilà. Et des débloques. Allez, on va en prendre un. Ça peut toujours servir des débloques. Pourquoi? Non, 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 je m'en fous. Connexion.
Jack in Mega Man Execute. Là, ça va vraiment être la découverte du jeu. Là, je pense avoir déjà fait ça, puisque j'ai déjà été au truc de la gargouille. Alors, pour atteindre l'endroit là-bas. Donc, si je me souviens bien, on fait ça. C'est un vrai labyrinthe ici, mais bon. Ouais, je crois que j'ai vu. Je crois qu'il y avait un Eevee là-bas. Un Eevee qui avait pas l'air gentil. Hop. 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 Oh, 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 oh. Oh putain. Voilà. Donc eux, c'est ils sont morts. Eux, ils sont morts. Et on va faire ça. Hop. Look. Fanfare P. C'est moyen. Ah non, c'était des données ici. Oh, un PA Memo. Nice. Déjà que... Ouais, là au niveau des points de vie, ça va. On est plutôt correct. On va faire ça. Est-ce qu'on unit? Ouais, allez. On va faire ça comme ça. Tiens. Voilà. Voilà. Moi, maintenant, vous le savez, je ne rigole pas. Ah non, c'est pas un avis violet de Nebula. Mais par où on passe? Attendez. Je suis pas dans mon état normal. Je suis apparemment là. Hop, hop. Déjà, lui, je veux qu'il die. Hop. Oh, oh, oh. Là, je vais prendre des dégâts faciles. Easy. Un stéroïde plus ça. Hop, hop. Hop. Hop, hop, hop. Nice. GG, Napalman. Ouais, voilà, il fallait tourner ici. Fallait tourner ici. On fait ça. On fait ça. On monte là. Ensuite, on va là. On va se prendre plein de virus. Hop, hop. Let's do it, Lan. Napalman. Ah, je l'adore. J'adore ce Navy. Est-ce qu'il faut descendre? Je ne suis pas sûr. Je crois qu'il faut passer par là. Pour remonter là. On verra bien. On va prendre ça. Non. Allez, on mitraille, on mitraille, on mitraille. Ok, j'en ai eu un. Calme-toi. Ne fais pas de bêtises. Ne fais pas de bêtises. On va prendre tout ça. Tiens, on va en unir une. Ça fait quoi si... Ok. Double soul. Nip soul. Allez, il va bien venir à un moment ici. Voilà. Ouais, et comme je me suis transformé en... Enfin, j'ai fait une fusion avec Napalman. Donc du coup, j'avais son élément. Ah, c'est bon, on est là. Et il y a quelqu'un, Lan. Et c'est Searchman. Très suspect, tout ça. Searchman. Searchman. Qui a-t-il? Vérifie le système, Megaman, il a été forcé. Ok. C'est un système de communication, il est ok. Searchman le réparait peut-être. Il aurait pu répondre. Se déconnecter comme ça, comme s'il s'enfuyait. Enfin, c'est pas grave. Retournons au château. Oui, allons-y. J'ai l'impression que Lan, il est tellement... Il est tellement naïf. Genre moi, quand je vois ça, je me dis... C'est salopard, là. Allez, reviens. Ah, faut prévenir l'autre. Merci Fisto, les communications remarchent. Enfin, ça fonctionnait déjà quand on est arrivé. Tu plaisantes? Bon, bah au moins ça marche. Entre et promène-toi. Vrai, je peux? Waouh! Merci, allons-y. Waouh! Ouais, du coup, des armures explosées comme objet d'art. Je sais pas si je peux rentrer dedans. Et on a ajouté un port de collection.
Il y a un port de collection. Ah, peut-être de l'armure. Jack in Mega Man Execute. On va voir s'il y a des trucs à avoir dedans. Ouais, il peut y avoir des trucs. Ordi armure. Rien ici. Yo! Notre armure et nos casques sont renommés partout. J'en suis très fier. Ça, t'as rien fait. Ah, c'est les trucs de quiz là. Le mec au milieu, c'est un gars qui fait les quiz. Donc, on s'en fout. Unir. Si je fais unir, ça me prend les. Ok, ça me prend juste les deux. La dernière. Quoi. Hop. Ok. Ok. Wow. Nice. Voilà. Concentration au maximum. Ah, si, il y a quand même quelque chose. Programme Navis PV plus 100. Et on va se déconnecter puisque l'autre c'est un quiz et. Enfin, un quiz. Un truc chiant. Bon, à mon avis, il y a des. Un katana entier, blablabla. La cale exposée, seule la lame, on y a ajouté un port de collection. Je vais essayer de me balader dans les trucs. Ça n'a rien. C'est totalement secondaire, mais. On va bien voir s'il y a des trucs intéressants. Ordi katana. Comme il n'y a pas de chiffres derrière, je me dis qu'il n'y en a qu'un seul. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je ne vais pas regarder le reste. On va faire ça. Et boum! Waouh! Là, c'était rentable. Là, c'était du rentable. Hop. Oh! Il est en train de le recte, là. Napalman, calme-toi. Napalman, calme-toi, voyons. Tu es beaucoup trop violent avec ces pauvres virus. Ah, mais c'est encore un quiz, je crois. Et un PA Memo. Encore une fois. 600 PV. Ah, nice. Attendez, on va d'abord unir avec ça. Hop, et on va faire ça. Double Soul, Napalm Soul. Wow. Eh, on lui enlève quand même pas mal de PV en faisant ça. Voilà. Et on regagne des ennemis. Bon, du coup, comme on a acheté plein de trucs. Et il n'y en a pas deux. Allez, on va se décollecter. J'ai pas envie d'aller voir le Navy au milieu. Je sais pas ce qu'il fait. Bon. Une description d'il y a des siècles. Ouais, c'est ça. Faut aller voir la gargouille. C'est quoi ça? Une statue a l'air sévère, pourtant plusieurs armes, elle regarde très menaçant. Ok. Ah mince, c'est ici. Ici c'est y a rien, ici c'est bloqué, ici ça a l'air bloqué. C'est bloqué. Bonjour Bouddha! Une statue grandeur nature, avec son air de puissance, elle protégerait tout. Bonjour monsieur! Ceci surprend toujours les étrangers. En s'approchant, on aperçoit un port de collection. Ah non, d'accord. Jack in Mega Man Execute! Ce n'est plus Protoman Execute. Oh, j'ai envie d'être un samouraï, toi pas! Enfin, plutôt, es-tu comme moi? Ok. Pas charge avec données de cartes. Donc là, j'ai la carte. Ok. Avec un truc ici, encore. PV, programme PV 100. D'ailleurs, j'ai mis un programme de PV en plus pour Napalman. C'est pour ça qu'il en a 300. Je pense que... J'en avais pas parlé en vidéo. Hop, allez, on en remet d'autres. Oh, j'ai pas trop fait gaffe à tout ce qui se passait devant mes yeux. Ouh. On va prendre les ultrasons là. Faut les trucs qui peuvent s'apparenter à des ultrasons. Boum, c'est terminé. Gardien, ouais. Hop, on fait ça. Yo, bienvenue. Veux-tu créer un lien entre cette page et la tienne? En créant un lien, nanana, je crée un lien, oui. Ben château. Et ok. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien.
Ici, est-ce qu'il y a quelque chose dans le coin? On va faire ça. Attendez, on va d'abord s'unir. Encore une fois. On va faire une fusion âme, double âme, je sais plus quoi, comment ça s'appelle. Hop. Hop. On va faire comme ça. Ah, fuis. Et fuis. Non, on ne fuira pas. On le défonce. Et on a encore un tourbillon F. Non, y a rien ici. C'est un BBS de combat officiel. Tiens, quelqu'un a mis un nouveau poste. C'est vrai que je fais jamais gaffe à ça. Est-ce que mon papa utilise un bracelet pour creuser des trous? On dit que quand tu utilises d'abord un vol zone pour agrandir une zone, puis un bracelet. Une étiquette. Salut, je suis. Tu peux t'exprimer librement sur le BBS, ton père là. Je sais pas si ça sert à des trucs, ça, je sais plus. Hey, toi! Le décor ici est magnifique, on dirait un tableau! Et véritable œuvre d'art, ouais. Encore un truc. Données de carte zone N3. Et ça peut être utile. Et après, on peut se déco bientôt. Non. Ce que je veux faire, c'est ça. Quoique, on va s'unir. Unir! Enfin, double soul. Double soul, napalm soul. On va attendre qu'ils soient sur la même ligne. Et boum! Blizzman. Faudrait que j'essaie de refaire les anciennes missions de libération maintenant que j'ai des puces qui sont clairement correctes. Que je puisse, par exemple, au moins avoir la puce de Shenman. Je sais pas si ça sert à grand chose, mais. Ah, j'ai pas son code PIN à lui, donc on peut rien faire. Puis je crois que j'ai parlé à tout le monde. Mais bref. Voici le donjon du seigneur, le centre surveille quoi, ça n'a pas l'air, bien sûr que non, le château est aussi historique et la tombe est bien ciblée, regarde cette statue par exemple, tu peux te collecter à la château garde de là. Ok, du coup je peux me mettre là, là il n'y a rien, là je clique quand même, hein, on ne sait jamais. Ici, non, hop on va ici du coup, on monte. C'est quoi ça? D'après ce texte, les gargouilles du donjon sont conçues pour surveiller toute la zone. Ah, et du coup, on peut monter sur. Genre, il y a un accès public comme ça. Ouais, allons-y. Ok, les gargouilles. Cette gargouille garde une ville du haut du donjon. Et là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Cette gargouille a une ville. C'est verrouillé. C'est verrouillé, la collection est impossible. Je tourne œil à la gargouille. Cette gargouille garde du rond de donjon. Ouais. Non. Les gars. De près, on voit que la gargouille est en fait très grosse. Merci. Ça me fait plaisir de savoir ça. Ah, voilà. Il ne peut pas perdre de vue le gros poisson. Et si les yeux s'enlevaient? Les yeux de la gargouille s'ouvrent, dévoilant un objet. On dirait un disque de données. Vérifie, Megaman. Et je crois que j'étais bloqué à là, je crois. C'est la clé de quelque chose. La clé? De quoi? Attends, il y a aussi des données textes là-dedans. Je le lis. Troisième ACDC, quatrième case, là trouve le chemin vers Oran. Troisième ACDC, on sait où c'est. Quatrième case, là trouve le chemin vers Oran. Ouvre son centre. Je connais bien ces mots. Il faut trouver ce que ça veut dire. L'un a récupéré, vieille clé et donné texte. Il faut le lire en entier pour savoir où aller. Oui. Mais comment ça, il faut lire en entier, tu me l'as déjà lu là! Non, c'est pas bibliothèque de données, c'est item clé. Non, ça. Données texte. Vieille clé. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va se retrouver en zone ACDC 3 pour trouver justement ce quatrième panneau. Ça va, ça n'a pas l'air trop compliqué. Bon, en fait, il y a juste la niche du chien. Je pense que je ne l'aurais pas su. J'aurais peut-être mis un petit peu de temps à trouver ça. Mais sinon, niveau énigme, ça va. C'est pas trop compliqué. Donc j'étais vraiment con à l'époque. Voilà. Allez, sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire et vous abonner si ce n'est pas fait. On se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde!